Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment monter une mèche pour votre chihuahua. Ce sera la même technique pour le réservoir dog, sauf que pour le réservoir dog il faudra faire descendre la mèche dans le réservoir. Voilà. Donc, pour commencer, vous préparez le chihuahua, donc vous l'ouvrez. Vous allez desserrer les deux vis sans les enlever. Voilà, c'est pas la peine de les enlever. Laissez juste la place pour faire passer le fil résistif. Donc, pour monter la mèche, on va avoir besoin d'un tournevis, d'un briquet en option, d'une petite paire de ciseaux ou une petite pince coupante, une aiguille, la mèche en 1 mm, mèche fibre, et du fil résistif. Moi j'utilise du Cantal en 0,20, du Cantal 32. Donc vous allez couper environ 10 cm de mèche. Moi je l'ai déjà coupé. Vous allez mouiller cette mèche et vous allez l'essorer juste 2-3 secondes sur le sopalin. Le fait de la mouiller, ça permet d'assouplir la mèche et vous pourrez la manipuler comme ça sans casser les fibres. Voilà. Donc vous la pliez en deux. Préalablement, on a aussi coupé un morceau de fil résistif de 10 cm. Avec le briquet, vous chauffez, vous faites rougir le fil en fait. Ça permet de l'assouplir aussi et de lui enlever son élasticité. Comme ça, quand vous enroulerez vos spires sur la mèche, elles resteront bien collées à la mèche. Voilà. Résistif. Donc la mèche. Le morceau que vous avez coupé, vous le pliez en deux. Pliez en deux. Comme ceci. Une fois que vous l'avez plié, vous le repliez sur lui-même, comme ceci. Prenez l'aiguille, vous la bloquez là. Et là, vous pouvez enrouler le fil résistif autour de la mèche. Donc, vous allez le bloquer au même endroit que vous bloquez le fil et l'aiguille. Là, vous allez faire 5 tours. 5 tours, c'est pour avoir une résistance de 1,5 ohm. Donc là, 5 tours. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Essayez de garder un espace d'environ 1/2 mm entre chaque spire et de l'enrouler le plus régulièrement possible. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous allez réduire le fil, pas trop, il faut garder un petit peu de longueur pour le monter. Surtout, vous laissez la mèche monter sur l'aiguille, comme ça. Et là, vous allez donc fixer tout ça sur la tenue. Vous commencez par passer le fil entre le joint torique et la vis. Ensuite, vous pouvez le tenir, voilà, et vous passez l'autre fil entre la vis et la rondelle. Donc ce côté-là, entre cette vis et
cette rondelle, ce côté-là, sous la vis, et entre la vis et le plateau de l'ateau. Donc là, le fil, vous n'avez pas besoin de l'enrouler autour des vis, juste vous le ramenez sur le côté, vous le tenez, et là vous serrez. Vous avez fait le plot central, vous attaquez celui qui est sur le côté, la masse donc, pareil, vous tirez, vous tenez le fil et vous serrez la vis. Voilà, donc quelque chose d'assez important, moins important sur le chihuahua mais très important sur le réservoir dog. Il faut bien serrer cette vis. N'ayez pas peur de la serrer, sans trop forcer non plus, bien sûr. N'ayez pas peur de la serrer de manière à ce que la rondelle exerce une pression sur le joint torique qui est ici, ce qui évitera au liquide de s'infiltrer et de recouler par le connecteur. Donc si vous avez une fuite par le connecteur, c'est que cette vis n'est pas assez serrée. Donc là, vous pouvez serrer, voilà. Une fois que c'est serré, vous pouvez couper l'excédent de fil résistif. Tac. Comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je remonte légèrement la mèche à l'aide de l'aiguille, histoire de bien l'aligner, qu'elle soit bien horizontale. Vous pouvez nettoyer un petit peu les morceaux de fibres qui se sont cassés. Bon, ça, c'est uniquement par souci de perfection. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vérifiez vos spires. Si elles ne sont pas super bien alignées, vous pouvez, avec les ciseaux, les écarter ou les resserrer. Ou une petite pointe. Voilà, donc là la mèche est terminée. Vous pouvez retirer l'aiguille. Vous allez couper de manière à laisser environ 1,5 cm de mèche. Libre, voilà. Là maintenant, vous pouvez remonter le chihuahua. Il faut que le trou d'arrivée d'air qui est sur le corps du chihuahua soit aligné avec la mèche. Donc moi personnellement, la position idéale que j'ai trouvée, c'est à peu près ici. Le flux d'air se fait comme ça, arrive sur la mèche et remonte par le trou, par le drip tip. Voilà. Donc là, je le monte. Je vais enlever le caps. Voilà, le chihuahua est monté. Là, je vais juste aligner le trou dans la position que je vous ai dit. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Exactement là. Donc rentrer la mèche à l'intérieur du chihuahua. Comme ça. Vous la plaquez au fond du plateau. Voilà. Là, le chihuahua est prêt à être utilisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Là, vous pouvez mettre votre liquide directement sur la tresse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je suis à 10 gouttes. Je pourrais en mettre plus. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en le manipulant, le liquide risque de couler par ce petit trou. Donc, après moi, le meilleur rendu que j'ai trouvé, c'est avec 8 gouttes. Là, c'est au top. Voilà, refermé, il est réglé. Le drip tip, je le monte sur le mode. Ça marche, nickel. Donc là, premier test.
c'est ce que je pensais, le trou s'est décalé. Donc, je le remets bien dans la position que je vous avais montré, donc bien face à la mèche. Là j'ai un très gros hit parce que c'est le liquide de tahini. Moi je suis en 9 mg, elle est un peu plus forte que moi. C'est du menthol, donc là j'ai vraiment un gros hit. Là avec vos 10 gouttes, vous êtes tranquille pour au moins une trentaine de lattes. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, parce que je ne l'ai pas fait, je vais vous montrer comment tester la résistance pour savoir à combien de ohms vous êtes exactement. Je pense qu'on est entre 1,5 et 1,8. Multimètre, tout en bas, sur le mètre, sur le 200. Là, vous prenez, vous mettez le moins, donc le noir, sur le pas de vis du connecteur, et le plus, le rouge sur le pot central. Donc là, le connecteur m'affiche 1,8, 1,7. Donc sur les 1,7, je vais retirer 0,2. Donc je suis exactement à 1,5. Je vous explique, je retire les 0,2. Parce que si je fais ça, vous allez voir que j'arrive sur bon, 0,1, 0,2. Normalement, c'est 0,2. Voilà, on est donc à 1,5 ohms et mèche montée, ça envoie direct. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que vous allez vous en sortir et bonne vape.